Bonjour, c'est un grand honneur pour nous de recevoir aujourd'hui Christophe Crosse-Houplon. Bienvenue dans The Interview. Christophe, bonjour. Ton dernier roman a pour thème les intelligences artificielles. As-tu voulu faire passer un message, réveiller les consciences, ou simplement raconter une histoire comme une autre ? Bah écoute, c'est simple. Comme romancier, et puis comme individu aussi dans la, on pourrait dire, la seconde partie de sa vie, je me définis maintenant comme étant quelqu'un qui cherche à faire ce qui s'appelle de la transmission d'un savoir, un savoir qui est celui de l'enseignement de Jésus, de Jésus-Christ, à comprendre dans une acceptation non religieuse, mais essentiellement spirituelle, pour revenir aux racines même de son enseignement. L'intelligence artificielle est l'outil principal de Satan. Et c'est donc l'ennemi à abattre, et donc un personnage absolument central de cette tétralogie qui s'appelle le troisième temple donc de Jérusalem. Et les quatre volumes, donc là on parle du second, Astana, ont pour cadre quatre cités smart cities, pilotées et gouvernées par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire en clair par le mal. Dans Astana, qui est à la fois semblable et extrêmement différent de Neom, j'ai souhaité commencer à partir d'une cité qui, en fait, est totalement virtuelle, comme le monde de l'intelligence artificielle, puisque lorsque vous y entrez, lorsque vous y pénétrez, la porte que vous venez de franchir a aussitôt disparu que vous l'avez franchie. Et donc, on ne sait plus où on est. En clair, cette intelligence artificielle, et pour moi, et donc cette cité, le prétexte en tant que romancier pour introduire dans le cœur même du dispositif du mal une pierre sacrée au pouvoir magique qui va semer un grain dans le dispositif, et une pierre qui sera apportée à l'héroïne Cécilia par un certain Yeshua. Et donc à partir de là, puisque tu me demandes, y a-t-il à faire passer un message ? C'est plus qu'un message. C'est une suite d'enseignements et de savoirs, des savoirs ancestraux qui nous sont cachés et que j'utilise la forme romanesque pour ouvrir les fenêtres, les portes et les fenêtres et les faire partager à la multitude, j'espère, sur plusieurs continents. Voilà donc le projet et le fond même de ce second volume de ma tétralogie, qui s'appelle donc Astana. Très bien, merci pour tes réponses. Autre question, quand écris-tu ? As-tu un rituel d'écriture, des horaires ? Quelles sont tes sources d'inspiration ? Qui est pour moi essentielle et cruciale parce que ça me distingue d'énormément d'écrivains. Je n'ai pas de rituel à proprement parler, ni d'heure, ni d'habitude, et je ne considère pas qu'écrire, pour moi, soit un travail. Cela correspond uniquement maintenant, depuis... j'ai écrit 50 livres, et l'état dont je vais parler touche 46-47 d'entre eux. C'est un état de connexion, avec le divin, qui me souffle ces mots,
je ne fais que retranscrire. Ce qui veut dire que les romans, les essais, les textes eschatologiques, tout ce que j'écris, même y compris les analyses politiques, ne proviennent pas de moi. J'en suis simplement le canal inspiré et ouvert de ce qu'on appelle le troisième œil. Voilà, en quelques mots, donc, ma source d'inspiration. Je ne peux pas rêver de plus belle source que celle-ci. Et par essence, cette source, c'est elle qui commande. Et donc, ça peut se passer à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. La qualité d'écriture et de précision est toujours la même, et le premier jet est toujours le dernier. C'est ce qui est absolument merveilleux dans ce processus d'inspiration. Très bien, merci. Que représente l'écriture pour toi, Christophe? L'écriture a longtemps représenté un objectif dans ma vie, puisque enfant déjà, je dis ça, j'avais 2 ans et je ne savais ni lire ni écrire, je savais déjà, l'enfant, le petit que j'étais, savait déjà qu'il était destiné à devenir écrivain, d'autant plus vrai que je me souviens d'une anecdote assez amusante que ma mère me rappelait souvent, c'est que lorsque j'étais dans une librairie et qu'un autre enfant que moi se saisissait d'un livre, je rentrais dans une colère monstre pour lui arracher ce livre des mains. Ce qui prouve à quel point je m'identifiais déjà à ce que j'allais devenir. Alors évidemment, maintenant, l'écriture ne représente plus rien pour moi, puisqu'elle est mon sang. J'écris aussi naturellement que je respire, que je parle, que je... Voilà, c'est pour moi c'est un état d'être, l'écriture. C'est un flux, un fluide. C'est quoi que j'écrive, toujours exactement la même sensation, qui est une sensation d'infinie paix intérieure, de grande douceur, de fluidité, d'absolue plénitude. Voilà ce que ça représente pour moi maintenant, ce que c'est qu'écrire. Je sais, je subodore, j'imagine, je crois, je sens que j'en ai encore pour 2 ans à écrire, jusqu'en 2025, et que, à part quelques petits textes que, évidemment, j'écrirai de ci, de là, je me consacrerai à compter de 2026, c'est-à-dire à compter de dans 3 ans, à d'autres rêves d'enfant que j'avais, à d'autres arts que je pense pouvoir avoir avec ce même canal et qui font que, voilà, ça sera à partir de l'écriture que je serai devenu véritablement moi-même. Et je ne sais même pas si je pourrais me définir comme étant un écrivain. Je suis un être écrivant. Et en état d'être écrivant, je suis moi-même bien plus que moi-même. Voilà. Merci pour ta réponse. Alors, une autre question. Qu'éprouves-tu avant la sortie d'un roman? De la crainte? De la réjouissance, de la sérénité, de la confiance? Elle est étrange cette question parce que Dieu sait que ce fut un moment, je me souviens du premier, hein, la porte de l'enfer qui, à sa sortie, qui m'avait demandé des années d'écriture, de réécriture, de re-re-réécriture pour une histoire que je portais en moi, dont je suis extrêmement fier toujours, mais à l'époque, je n'avais pas ce canal ouvert. Il a donc fallu que je travaille, retravaille et re-retravaille pendant des années et des années ce texte pour finalement arriver le jour de sa sortie à ce qu'il rencontre un absolu silence, à l'exception de ma propre mère qui en fut totalement, et qui en est toujours d'ailleurs, totalement folle, quoi. Elle adore ce livre qui lui est dédié. Et voilà, ça a été ça, en fait, la sortie de La Porte de l'Enfer. Alors à la fois l'immense fierté d'avoir entendu de la bouche même de ma mère ces mots qui sont, pour un enfant, vraiment bouleversants. Et puis, l'immense déception de n'avoir eu que du silence, quoi, à l'époque. Et depuis, ça a tellement changé.
En fait, ce que j'appelle la sortie du livre, pour moi, c'est quand je l'ai terminé. C'est ce sentiment du devoir bien fait, du travail bien fait, de l'accomplissement, en fait, de l'accomplissement du livre, certes, du roman, et aussi, et notamment et surtout, de soi-même. Hein, parce que la sortie d'un livre, c'est comme un accouchement pour moi. C'est vrai que quand j'ai relu Astana et que j'ai corrigé les quelques petites coquilles, je pense n'avoir jamais eu. Pourtant, j'aime beaucoup mes livres, hein, mais un sentiment de fierté pareil, non, à ce point-là, non, ça s'était encore jamais produit. Donc voilà, c'est avec oui, c'est avec beaucoup d'émotion quand même que je vous le. Parce que c'est pour vous. Astana, c'est pour vous. Christophe, merci beaucoup pour cette première partie d'interview. Merci pour ton authenticité, pour ta sincérité et de nous faire participer à ton monde. Voilà, on essaie de mettre en image et en valeur tout ce que tu essayes de nous enseigner. Merci et à très vite pour la suite de la partie 2 de l'interview. Merci à toi.